Pourquoi pas? J'en vaux bien une autre. Eh ben voyons. Rien n'est plus simple. Faut d'abord imposer le mythe d'Arabelle, à coup de photos incroyables, de clous. Naturellement, il a confiance en ma personnalité. Bon, alors, en déshabillé vertigineux, où tu expliqueras que tu n'aimes que la solitude et la méditation. Il faut que chaque mordu de l'écran sache que tu es une déesse inaccessible, mais une déesse qui attend peut-être de lui le bonheur. T'as des œufs? Des œufs? Bah oui, des œufs, quoi. Enfin, Paul, qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais j'ai faim, moi. Je mangerai des œufs au plat ou à la coque s'ils sont frais. Après? Après quoi? Après qu'on aura fait l'amour. Quoi? Mais il n'en est pas question. Ah, il n'en est pas question, non? Alors de quoi il est question, hein? Créature exceptionnelle, vedette de mon cœur. Alors où est ce tempérament, hein? Eh bien, mon petit Paul, vous faites erreur. Je ne suis pas celle que... Allez, jure-moi vous... ça. Mais Paul, vous perdez la tête. Je vous interdis. Ah oui, qu'est-ce que tu m'interdis? Je vous en prie, Paul, la baignoire va déborder. Ah bah, il faut se dépêcher. Et où? En déshabillé vertigineux. Où tu expliqueras que tu n'aimes que la solitude et la méditation. Il faut que chaque mordu de l'écran sache que tu es une déesse inaccessible, mais une déesse qui attend peut-être de lui le bonheur. T'as des œufs? Des œufs? Bah oui, des œufs, quoi. Après? Après quoi? Ah, il n'est pas question, non? Alors de quelle question, hein? Créature exceptionnelle.